voilà, nous revoilà. On a eu un problème d'internet, le vilain internet, notre connexion en mousse. Donc on en a profité pour... Enfin, moi j'en ai profité pour boire un verre d'eau. On a leur booté la... Faites des dons pour une connexion satellite, disait Zangwen. Donc quoi qu'il en soit, voilà. On en profite du coup pour faire une petite pause musique de quelques minutes. Ça, c'est vraiment embêtant, ces connexions en mousse, hein, y a rien à faire. Hein. Et donc... Si vous avez des questions, des remarques, n'importe quoi. C'est marrant, il dit que je suis toujours offline. Welcome back, donc maintenant. Vous nous revoyez. Oui, Zangwen est parti se pendre. Alors, c'est pas une pause, ChocoBN, c'est pas eux qui ont financé cette émission. Là, c'est une émission financée par Lu et les petits écoliers. Le paquet. Voilà. Alors par contre, vous, c'est marrant parce que le chat n'est plus capté ici. C'est quand même bizarre, ça. C'est très étrange, ça. Ok. Ah ouais, il fait n'importe quoi, hein, comme d'hab. Ok, d'accord. Ok, ouais, bon, comme d'hab, il fait n'importe quoi, le chat. Faut toujours recapturer, donc j'en profite. Je vous ai remis un petit peu de noir brème pour patienter. Bon, là, je l'ai récupéré ici. Alors, ça veut dire qu'ici, je l'aurais perdu aussi. J'imagine, faut que je le remette ici aussi. Mais quelle calamité. Je suis obligé de recapturer le chat, effectivement. L'élu de bourgeois. C'est vrai que c'est des gâteaux. C'est 1 euro le paquet, ouais. J'ai connu ça, moi, ce qui a été mon niveau de vie en fait, j'ai monté, je suis passé des gâteaux à 50 centimes à 1 euro. Quand je suis passé, en gros, c'était du RSA au SMIC. C'est donc... deux fois plus cher. Mais oui. Mais le chocolat est meilleur. Voilà. Alors, pour reprendre, Nico, j'ai fait n'importe quoi, j'ai capturé beaucoup trop bas. Mais oui, on va pouvoir reprendre. T'as dit qu'on ferait un speed game sur Persona 4. Mais j'ai jamais dit ça. Alors non, quoi. Mon speedrun sur Persona 4, c'est du new game, hard, true ending, NSBL. Ok bro, j'en ai un autre. Le merveilleux t-shirt Mother Brain avec la police de Motorhead. On essaiera d'être assorti et d'avoir des t-shirts Metroid. Sinon j'ai le violet. Nickel, c'est bon. On est bon. Ah oui, ici aussi, d'accord, il a fait. Alors moi, je suis à l'eau. Bah évidemment. Mais de rien, Argante, c'est très content que ça t'ait plu. Voilà. Donc pour l'instant, j'avance très très vite. C'est vrai. Enfin, très très non, vite. Non, vraiment... C'est lui qui me l'a dit en off. C'est... Non, non, c'est vraiment vraiment cool. Alors... Les problèmes techniques, on a perdu un tiers des viewers. Ils se sont dit, oh, il a fini. Salut, il est parti sans dire au revoir. Ils sont partis sans dire au revoir. Ils sont pas cool, les mecs chez NesBlog. C'est clair. Ok. Je finis de manger, de boire deux gorgées d'eau et je mange mon petit gâteau de bourgeois. Le lui de la bourgeoisie. T'en as un ? Putain, ils sont partis trop vite, les gâteaux, c'est une blague. Dit-il d'un regard accusateur. quand je rentrerai, Monsieur Lapin, il y a des chances. Ouais. Oh, il est que 1h du mat, ça c'est bon.
Mais du coup, j'en profite là, bro. A priori, ce qu'on devrait faire à part la race, on va peut-être commenter du coup les tasses. On fera deux binômes pour commenter les tasses. Je sais pas quelle tasse du jeu t'intéresse le plus. Shakizong était à peu près indifférent, peu importe lequel il commente. Hein. Je m'en fiche. Parce que moi, de mémoire, je crois qu'il y a un 0. Je préférerais le lot pour 100 à choisir. Il y a un 100% mais... et un lot. Moi, je préfère aussi le lot. Dans l'idée, c'est le truc plus. Pire, on fera un team up. Ouais. Casquette Koopa, c'est parce que tu n'as pas de chapeau Metroid. J'aime beaucoup cette casquette. Parfait. On va pouvoir reprendre. Peut-être qu'un jour, j'en aurai une nouvelle, si j'en trouve une qui me plaît, mais je suis très difficile en casquette. Ok. Allez, c'est y part. Ça va, bro, bon, on verra. Et viens jeudi, du coup, tant qu'on puisse s'entraîner. Okay. Donc là, tu t'apprêtes à quitter le secteur 2. Parce que là, t'as tout fait. T'as tout récupéré, t'as chopé plein de power-up cool. Ah, mais je vois les insectes, comme dans Super Metroid. Ouais. Ok, d'accord, les trucs, vraiment... Trucs qui volent et... ouais, c'est 140 PV, vraiment. On dirait la mouche, quoi. C'est ça. Nickel. À quand le Two Boys One Stick sur Fusion? On l'a fait, déjà. Non, mais demain c'est cool. Si Bros emmène bien demain, c'est cool. Oui, y'a pas de soucis. Hein. Ok. J'ai déjà pris tout ça. Bon, voilà, t'es cool. Pouvoir aller au secteur 4. Non, on va pas faire le 3 d'abord. Non, le 4. Petite fantaisie. D'ailleurs, le 4 est le seul secteur qui a une entrée vers la gauche. Ouais, comme sauvegarder. Safe strat du live. Ah, le Two Boys One Stick de CDV et moi. Peut-être un jour. Ah oui, ça, une fois que j'aurai le jeu en main. Toi, tu connaîtras la route du speedrun surtout. Ah. We got trouble, c'est normal. Voilà. Donc, évidemment, vu que t'as ouvert les portes bleues, maintenant toutes les portes bleues de la station sont ouvertes. Et maintenant, c'est le drame, ok. Le drame, non. Alors, dans un secteur que je n'aime pas beaucoup. Le secteur 4. Enfin. Le secteur, ça va. Un speedrun, le boss, je ouais. N'aime pas. Ok, ok. De record dans tous les autres styles. Ah, on le fait. C'est que c'est n'importe quoi. Fusion, c'est pas dur à apprendre. C'est vraiment, vraiment pas dur. On peut faire un sub-hour in-game time très facilement. Enfin, très facilement. Faut s'investir, évidemment, mais c'est un premier bon cas pour maîtriser le jeu. La tête de qui là le. On dirait. C'est Tryax, runner de. D'accord. Yoshi Island. Je vais arriver. Oh, bon. Ouais, à chaque fois. Donc là, en gros, on va te dire il y a des inondations, il y a de l'électricité. Voilà ce qu'on va te dire. Okay. Et que. La zone contient une créature qui s'appelle Ceris. Et que si elle pose problème, tu as le droit de la tuer. Elle va poser problème. C'est le jeu qui le dit. Là, je te dis exactement ce que le jeu te raconte. Ok, 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 pas de soucis. Ouais, ouais. De la commande blind et un mec qui dirige, on peut faire du travail de team. Salut Black Mangoust.
Metroid Fusion en Bloodline avec quelqu'un qui donne les ordres, ça pourrait être drôle. Et même aller pas loin, quoi. Même genre aller jusqu'au premier boss. Donc voilà, c'est le seul secteur qui s'ouvre vers la droite. Par fantasy, j'imagine. Et c'est parti, secteur 4. Ok. Oh, je verrai bien. Ah, ça commence. Ça commence. Ah, ces ennemis derrière, ça, ok. Déjà, c'était pas des ennemis, faut qu'ils se fassent se poser derrière. Ça, par contre, c'est une tête d'ennemi, ça. Ok, pas de soucis. On peut charger ton beam pendant que tu es sur ça. C'est vrai que le secteur est pas facile. Ouais, je régime maintenant en speedrun, c'est cool, mais... C'est vraiment pas le plus facile. Pour arriver par là-haut, ok. C'est ça. Ok. Putain, mais y'en a des... Ah, y'en a pas mal. C'est... Quoi, je suis un gosse. Ah, Boro a dit qu'il avait pas mal bloqué sur ce secteur quand il était mort. C'est vrai que le passage pour accéder au boss est un peu tricky. Ah, est-ce qu'on va avoir une longue séquence de wall jumping? Ça a l'air tellement easy que ouais. Ça a l'air quand même assez easy. Attends, normalement il y a pas de soucis quoi. Ah, normalement il y a pas de soucis. N'oublie pas qu'il faut attendre un petit délai avant de faire le bouton plus le saut. C'est vraiment... faut faire glisser tes doigts avec une demi-seconde d'écart à peu près. Tout ça pour finalement s'apercevoir, c'est ça. Si, c'est bon. That full jump skills. Ah, est-ce qu'on peut-être aller par contre... On va tester un truc. Non, à mon avis, ça c'est... Saleté. Espoir anéanti. Ah, joli. Joli. Ah, il fait, mais regardez-moi ce petit salopard, genre. Les espoirs anéantis, genre, tu peux faire demi-tour, c'est bon. Arrête. T'es un bon comédien. Et tu voulais pas d'aide. T'es un bon comédien, ah, parce que toi, t'en rajoutes une couche, toi. Ah, mais je fais l'effort. Vraiment pas mal. Je fais l'effort. Ok, bah, c'est nickel. Ouais, bah c'est parti. Oh, y'en a un autre ici? Ouais. Alors pour y arriver par contre. Ah, ça sera plus tard, je pense. Donc évidemment, la target, hein, qu'on va te montrer à chaque fois. Ouais, mais ils sont sympas. Ouais, c'est cool. Tu pouvais pas y aller là? Grosso modo, les secteurs sont assez clos et très souvent, aller à la target, ça veut dire trouver un passage secret pour aller à la target. Donc. Alors par contre. Peut-être que j'aurais pas dû. Merde. Tu voulais aller où? Bah, j'ai l'impression que j'aurais dû. En fait, j'aurais pas dû. Bonne nuit, Sinaël. Bonne nuit. Tu as tous les bons courage. Join à moi des oublis. Ouais. La technique de mettre des bombes partout. Je te laisse chercher. Ah, bien. Oh, putain, sérieux, comment c'est abusé quoi. Bah, en fait, si t'avais bien fait gaffe, il y avait l'ennemi qui faisait des patrouilles dans le tuyau. Voilà. Donc le jeu te montra que tu pouvais aller ici. Tu vois, tu vas croiser un ennemi sur ta route juste là. Et il est monté ici. Donc le jeu te le disait que tu pouvais aller là.
Alors là, tu peux pas. Enfin, y'a pas de. D'arnaque. Je m'en vais si t'allais le voir. Bien joué. Putain, la vache. Plein de missiles. Les misleading tips. Ah non, ça je ferai pas ça. Je préfère donner des vagues ou des petits tips si jamais il y a des choses que je trouve assez mal foutues. Non, c'était bien là-haut, mais je suis censé tomber en fait, c'est ça que je comprends pas. Je peux pas aller par là-haut en fait, donc on va faire demi-tour. On te montre pas toute la carte aussi. Quand on te montre le secteur 3, on te dit tiens, c'est un vague plan du secteur 3. Y a pas tout, pas toutes les zones cachées. Oh merde! Oh non! Des vilains poissons! Ah, tes copains! Bonjour! Tire en diagonale, je vous coupe, hein. Ouais, carrément. Il a l'air tout petit le poisson quand t'as vu le gros. C'est vrai. Le gaspillage que de missiles, heureusement j'en ai plein. Ouais. J'ai failli me faire la réflexion sur ce sol, j'ai dit putain, il est mal fait ce sol, on dirait qu'on pourrait passer à travers. C'est trop cool. C'est pas le premier jeu, je me fais la réflexion. Ah oh, putain, c'est un gros. Que missile à niveau. Ou charge vive. Ça marche aussi. C'est presque ça, j'apprends à un viewer à streamer. Ah merde, je suis con. Bon. Il faut 3, c'est ça. Le charge beam marche aussi, hein, si tu peux garder tes missiles. Putain, mais c'est une blague, sérieux! Oh la vache! Il t'enlève 90 PV. Quand il me touche ? Ouais. Voilà. Oh putain, il se retourne direct ! J'avais pas vu ça ! Ça avait pas partie du deal ! Moi je pensais qu'il allait à l'autre bout. Putain, la save à 17 de vie. Tu peux. La petite musique. Tout va bien, détendez-vous. Oui. C'est clair. Merci. Des allergies aussi. Non ! Le décès. Ah putain. Oui. Attention, vous allez mourir. Je prends un petit gâteau. Ah. C'est bon. C'est utilise les power-up, hein. Je vais quand même te donner un conseil. Un charge beam ou un missile, ça one shot, c'est bien. Ils sont très fragiles. Quand soudain, à chaque fois que je suis en galère, t'as un e-tank. C'est très cool. Par contre, c'est pas la route. Mais t'as un e-tank. Oh, bah c'est cool. Oh, je suis pas trop mal là en fait. Non. Avec mon. Alors, c'est pas encore la route ça. Ok.
les resave déjà. Au moins faut le faire un peu plus vaillant. Ah, faut que vite fait quoi. Oh c'est bon là. C'est mieux que tout à l'heure. Ah c'est le gâteau. Bon c'est cool que tu l'aies trouvé du coup. Parce que tu n'auras jamais trop de PV dans ce jeu. Ah, putain, ouais. J'ai la fuite est une bonne solution parfois. Bonne nuit. Pas avoir peur de fuir. Saleté. L'eau avec l'électricité, c'est pas bien, genre. Non, c'est pas terrible. C'est à éviter. C'est en bonne santé. Mais je peux pas pour l'instant. Après, quand j'aurai coupé l'électricité ou il y aura un truc comme ça, les mérites. T'es fort pour trouver des passages sur place. Moi j'en ai pas trouvé autant la première fois. Bon, après j'aime pas trop chercher aussi. C'est dans les toujours jeux. Les recoins en fait, c'est de base. Ok. Non. Bonne nuit à Sabine. Il manque un accord. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on est obligé de passer comme ça? Ça paraît bizarre. C'est quoi ton idée? Bah, je sais pas, on dirait qu'il y a rien. Ouais. C'est un cul-de-sac ou... C'est pas qu'une impression en fait. Vraiment rien. Et pourtant, c'est là. Bah, depuis le début, nous. Le jeu vient de te donner un très gros indice là si tu regardes la carte. Bah, je suis collé, c'est sur la droite. Alors, on regarde bien la carte. Tu peux pas monter. Bah, c'est pour ça que j'ai sauté déjà. Hein. C'est pour ça que j'essayais de péter ça. Là, je suis allé là. Non, je sais pas la même chose, mais ça marche pas. Un autre acteur à la con. C'est bizarre ça. Y'a vraiment rien. Non, y'a vraiment rien ici. Y'a vraiment rien. Mais tu chopes un gros indice en venant ici. Le jeu te dit comment aller à la zone target. Ah, t'as raison, ah non, mais ça fait en fait c'est partout dessous, il faut faire tout un tour. Quoi. C'est dans ce moment-là ce que tu vois. Tu vois un pont dessus. En fait, ce segment de carte, tu l'avais pas avant. Il était pas là. Donc ouais, faudra y aller par. Probablement par là, enfin un truc comme ça. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Bon, j'imagine qu'en speedrun, du coup, tu passes pas souvent par là. Ne l'écoute j'ai pas. J'ai jamais vu ça. Ne l'écoute pas, il y a un passage. Non, je te mentirai pas. Je suis ton ami. je lui dirai pas où il est, par contre. Je lui dirai juste, non, te fais pas chier à tourner 20 minutes, c'est chiant pour lui, c'est chiant pour moi. Alors, bah, en fait, je peux aller dans la flotte, mais de toute façon, je perds pas de ma vie trop vite. Dans la flotte ouais. Si. T'es pas obligé de passer par l'eau électrifiée pour... Tout est électrifié, là. Ce serait pas mal. Ou alors non, il faut que je passe par là-bas. Voilà. Bon, je te laisse chercher. Ok, bah y a un autre passage. Je te laisse chercher. Si t'en as marre, tu me dis.
Oh non! Putain. Ah, le pire, c'est qu'il y a un... Ah, la super vitesse, mais j'ai plus de vie. Bah tu l'as pas, surtout. Ah oui, je l'ai pas et j'ai plus de vie. Parce que sinon, ce serait pas mal. En fait, il faudrait d'abord que j'enlève l'électricité dans la flotte. La super vitesse dans Fusion te fait pas perdre de vie. Ouais, non, mais c'est pas le problème, mais c'est juste que là, l'eau avec de l'électricité... Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ah, après, il y a d'abord un item. Je vais peut-être le prendre. Sous l'eau? Ouais. Il y a un item. Ça, c'est peut-être la super vitesse. Non, c'est un boss qui t'a dedans. C'est un power-up. Ouais, c'est vrai. Moi, je rêve un peu genre... Oh, la super vitesse. Ah, mon Dieu. C'est cool. Alors, réfléchissons. Ah ouais, il y a encore une... Je peux retourner en arrière, encore. C'est ça. En arrière. Ah non, je peux pas retourner en arrière. Faut remonter, tu veux dire? C'est pas utile. Ah, mais j'étais arrivé par là en plus. Ah ouais, c'est là c'est tout tu viens. Tu t'es accroché, t'es descendu, t'as tué. Attends, réfléchissons, regardons la carte. Moi j'ai été là-bas pour prendre un putain d'item, je me rappelle. Ouais, là t'es bloqué par une paroi. Donc, ouais, bah, c'est pour ça que je voulais faire le tour. Je voulais passer par là, par l'eau avec de l'électricité. Il y a une solution plus simple. T'es capable de trouver le passage sans perdre de points de vie. Ou alors là, il y a un autre passage par là. Grosso modo, là. Je l'ai vu la sauvegarde là d'ailleurs. Non, je l'ai pas vu. Non, tu l'as pas vu. Là, c'est bloqué. Là, c'est bloqué. Là, il y a une paroi. Là, il y a une paroi qui t'empêche de passer. Mm-hmm. Et ton point, il est là. T'es monté là, t'as vu qu'il y avait un passage qui existait, qui reliait ces deux salles. Bah non, mais c'est pour ça que moi je le vois arriver par là. Ah, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Mais l'eau avec de l'électricité, elle est là. Tu peux y aller sans prendre un seul dégât. Ah, c'est peut-être... J'ai pas fait cette liaison-là. J'ai pas fait cette liaison-là. Putain, je suis con si je l'ai pas faite. Regardez ça, là, peut-être... J'ai peut-être pas fait la liaison-là. Bonne nuit. Et ne vous cachez pas trop tard, c'est vrai que là on a commencé tard. Ah, mais restez, hein, partez pas, surtout. Non, mais si vous avez du boulot demain, de toute façon on reprendra demain. Et après il y aura Chrono Trigger quand ce jeu là sera fini. Alors on va, du coup on va recommencer ça. Faut recasser le pont. Ok. Non, c'est là-bas que j'aimerais passer, moi. À moins qu'il y ait... Parce que là, je retourne là-haut. Mais c'est... Après, ça y est, une run. On vous a menti. Peine. Il n'y a pas une run de fête. Je peux peut-être y aller quand même avec les dégâts que je me prends. Hein. Tu peux y aller sans... Enfin, tu peux trouver la zone secrète sans prendre de dégâts. Ah ouais, mais ça m'a... Ça m'a l'air chaud, quoi. Je peux juste tirer des lasers sur ce mur. Non, de Dieu, non, de Dieu. Parce que là, du coup, je vois pas du tout... T'as juste tiré des lasers et des missiles sur ce mur. Non, j'ai tiré des bombes. Jamais. Si. Non. Quoi? Mais j'ai fait ça depuis tout à l'heure. Pas sur ce mur. Bah, j'avais l'impression de le faire dans ma tête, je l'avais fait. Tu l'as pas fait. Tu l'as fait en haut, et pas ici. Ah, est-ce que c'est ça que je cherchais en fait dans ma tête, je l'avais fait. Ah, non. Ah, le record vient de tomber en plus sur Chrono Trigger. Il me semble que Sinel est passé le dire en genre 3h05, quelque chose comme ça. Elle était sur la bonne voie. Juste accrocher à l'échelle, sinon. Oui, c'est vrai que je suis habitué. Dès que j'ai un double saut, je me dis qu'ils ont pas, ils ont fait le level design pour qu'on soit obligé de le faire. Bon, attends, je vais déjà aller par là-bas. Ah, mais ça enlève le courant, ça. Pump control ou les pompes, ça enlève la flotte carrément, c'est encore mieux. Ouais, c'est vrai. Dommage. Ok, bon bah. Tu sauras quoi faire quand t'auras la super vitesse, du coup. Carrément. 3h02.51 par Elgorn Jury. Speedrun.
connais quand même. J'ai pas trop suivi la série Chrono Trigger. Ah, ça s'est relancé depuis le tas, je pense. Peut-être que dans le strat pour les trucs Tassoni. Mais... Ah, c'est possible. Ok. En fait, c'est à partir du secteur 4 que tu quittes un peu le mode tuto du jeu, où le jeu te dit « Bon, maintenant tu sais qu'il y a des trucs derrière à peu près n'importe quoi, cherche. » Demain, je suis à quelle heure je compte streamer, ce soir? À peu près. Ce soir? Ouais. Demain donc. Non, ce soir, jusqu'à... Ah, jusqu'à quelle heure, à peu près? Bah, ça va vraiment dépendre, en fait, de ma forme, de celle des angoisses, ça va. Oh, moi, ça va, en ce moment, je couche assez tard, donc... Y'a pas de soucis. Juste te souvenir qu'au bout d'un moment, faudra que je te rattrape. Bah c'est ça, mais je pensais à après ce boss là déjà. Comme ça. Et après on pourrait s'amuser, de toute façon tu devras jouer un PVC parce qu'il faudra que tu rajoutes des saves. Tant, j'imagine tu remets pas de sauvegarde d'habitude, mais là faudra sauvegarder après un boss. Moi je peux après le boss là, je peux sauvegarder. Et on peut faire ça à tous les boss d'ailleurs après celui-là. On peut faire ça. Voilà, maintenant j'ai le jeu en main. Si vous voulez qu'on alterne comme ça, ça permet de... Saleté. J'ai pris ma sauvegarde et j'ai plus beaucoup de vie, dis donc. Tu peux avoir un X rouge avant chaque boss. Quand tu casses la porte, l'œil là, on te donne un X rouge à chaque fois. Donc ça c'est Ceris. Voilà, tu l'as trouvé. Ok. Dead. Le gros monstre. Alors... Là c'est où t'étais tout à l'heure où t'as chopé Eltang. Ouais. Oui, je vais jouer, je vais rejoindre CDV du coup en allant un petit peu plus vite. Saleté. On peut l'avoir avec ça quand même, j'espère. Pas très mal après, donc ça va. Là, tu t'attends, tu chopes le X-Roof. Et un boss, Ceris. Bon courage! C'était pas celui qui était mort? Bah si. Il a muté? Trop type. Pas dans le temps. Ah, il va faire de l'électricité à la con, je parie. Tombe juste pas dans le temps. Ok. D'accord. Non. Oh, mais c'est une blague! C'est le premier vrai boss du jeu. Ah, et putain! Putain, mais la blague! Putain, mais j'ai même pas le temps d'esquiver, j'ai un truc ici que je vais la tête. T'as une échelle au plafond aussi. Ah ouais! Mais carrément. Le vilain boss se passe haut. Je pense vraiment qu'ils ont mis un vrai safe spot. Ah, mais c'est dégueulasse! Essaye de l'avoir comme ça. Tu l'as fait ta vie. Essaye de l'avoir comme ça. Il reste le corps à toi, fais attention. Missile. Oh putain. T'es mon conseil au début. À la con, mais c'est dégueulasse, j'ai touché 4 fois. C'est pas 4 celui-là. Ah putain, ouais, c'était bon, j'étais safe toute ma strat. Putain, c'est dégueulasse. Je t'avais dit de pas tomber dans l'eau.
Bah ouais, mais je pensais que le mort, ça valait pour le boss, pas pour le corps. Le pire, c'est le corps, en fait. Pourtant, le boss, c'était dans l'eau, tu peux remonter. Ah là là. Bon, déjà, t'as tué le boss du premier coup. Ah, c'est clair. Je me suis fait tuer par le corps. C'est pas vrai. Ouais, là, c'est bon. C'est clair, j'en reviens pas. GG le boss. RNG favorable. Très bon d'ailleurs. J'imagine quand ça troll, ça doit être assez violent. Bah c'est entre 0 et 4 lasers. Et quand tu te prends un laser... Alors il y a une stratégie pour les tuer en hit que tu pourrais faire, mais j'ai dit que je t'aiderais pas. Le laser, ouais. Le charge vive. Ah putain, il est venu me chercher là-haut. J'avais jamais vu ça cette fois. Oh, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. L'idée du charge vie n'était pas mal. Mais c'est une blague, c'est rien. Putain, le... Je l'entends quand il fait... Enfin, il y a plusieurs bruits de vagues quand il fait son patin de serpent. Je vais repartir en strap comme ça. C'est un cauchemar. Enfin, moi, c'est un... Pas de vrai safe spot, mais j'ai l'impression qu'il le fait assez rarement. Y'en a un. Une fois qu'il est vénère, mais après ici j'ai l'impression qu'il est trop bête. Évidemment, il va me rendre fort. C'est ça. En gros, t'es safe ici, à part sur deux patterns. Allez, go! Non! Bon, quand il fait les zigzags dans l'eau, c'est pas safe. Ouais, t'as raison. Y'a que sur ces deux patterns où tu peux te faire. Ouais. Essaye de pas tomber dans l'eau. Tu peux compter le moment où il va être invincible. Ça te permet de le repousser avec invincible. Tu sais que c'est 4 secondes. Ah, mais merde! Putain, mais ce corps, c'est pire que le boss, quoi! Non, bah, faut juste pas tomber dans l'eau. Ça va, il est pas... Tu prenais un hit, t'étais mort. Ouais, ça, je sais, ouais. Gigi. Voilà, c'est le premier vrai boss du jeu, c'est vrai. Et donc tu as récupéré la super vitesse. Bon, maintenant tu peux faire des Shine Spark aussi. C'est comme dans ce moment. Ah, ça se fait automatiquement, j'ai même pas un bouton, ça se fait automatiquement. Ça se fait automatiquement, t'as pas besoin de courir. Et le Shine Spark est juste un PC. Enfin, c'est pareil, ça va pas changer. Ah, Yakuza en barrière. Bon, faudra peut-être avancer maintenant. Ok. Si on tue la deuxième partie du jeu. Ouais, un peu de ça. Ah non, mais je vais péter ça et courir après. Ah non! Alors, je vais te faire un aveu. Je me souviens plus comment on passe cette salle de manière normale. C'était bien, fallait juste te mettre sous la barre.
tu déclenches ton Shite Spark. Non, fais-le devant, comme ça tu vas pouvoir courir. Mais de l'autre côté. Ouais, dedans. Tu le fais par là en fait. Oh, non, ce pixel parfait. En fait, tu te mets, tu conserves ton Shite Spark, tu descends et tu balances ton coup d'épaule dans cette direction. Mais c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai essayé de faire. T'as dû rater ta map. Bah comme ça, mais sous le truc. Oh, ça c'est ce qu'on fait en speedrun. Je sais qu'il y a une strat normalement. Je crois qu'on peut casser le truc. Là. Peut-être une bombe. Ah bon, c'est pas le truc normal ? Non, bah en fait tu peux finir le jeu sans faire de Shine Spark. Ah, parce que moi spontanément ce que je me suis dit, je vais faire le truc. Il y avait pile la time. Ah merde. Ah ouais, c'est ça, il me faut un peu plus de timing ici. Ah ouais, parce que c'est la strat, j'étais directement en strat alternative, c'est cool. J'en chie, mais... Ouais. Ah, je vais absolument passer comme ça. De l'autre côté, c'est peut-être plus simple de le faire. Strat de speedrun. En fait, tu sautes, sans bouger, tu sautes deux fois et tu fais la direction pour faire un coup d'épaule. Ah ouais? Faut sauter deux fois? Ouais. Ouais. Ça, par contre, ça a changé par rapport à ce premier truc, parce que je l'ai pas fait dedans. Non, pas sauter deux fois. Qu'est-ce que je t'ai dit n'importe quoi? Non, c'était bas et ensuite sauter normalement. Faire la manette parce que je te vis n'importe quoi. Merde. Je suis parti en haut du coup. Et c'est ça, c'est deux sauts du coup. Moi j'ai l'impression de faire deux sauts. Oui, mais sinon c'est ça, je vais insister hein. J'y arrive plus. Je suis cassé des Shine Spark. Bah sinon il doit y avoir, j'imagine, une autre... Ah bah non, mais sinon il y a une autre solution. J'imagine il y a des bombes à la con ici, mais... Ouais, c'est ça. Ça. C'était juste... Ça, je me doutais qu'il y avait un truc, mais c'était rigolo de le faire en mode... Ouais, non, mais si même moi je suis cassé, c'est bien, ça va être l'autre. Enfin, j'ai pas pratiqué le jeu depuis quelques jours. Ok. Ouais, c'est ça, tu sautes deux fois et la direction juste derrière. C'est ce que j'ai fait, mais je suis un peu rusty des doigts du coup. Deux fois, ouais. Du coup, là tu veux finir le secteur 4 avant ? T'as pas grand chose à faire si tu veux, bah, si tu veux sortir. J'avais la pompe. Ouais, c'est ça que tu dois faire pour sortir en fait. Ah mais non, je vais la sauvegarde sinon. Et je te... Bah c'est toi qui vois, soit tu finis le secteur 4 et je te rejoins, soit tu sauvegardes maintenant et je te rejoins. C'est comme tu préfères. Bah ça peut, on peut faire ça tiens. Je vais faire une sauvegarde en fait. Bah t'es juste en face. Non. C'est bon. Ok. Ok, c'est tata. Nickel, donc on peut accéder au menu ou on repart par l'émulateur? CTRL R normalement. J'espère que ça peut être safe. Non. Ça reset l'émulateur. Normalement, y'a pas de problème. Non, c'est bon, y'a bien ta save. Et toi, t'es là? Moi, je serai là. T'as passé le générique. Ça va. Parfait. Alors, est-ce qu'on peut échanger nos places? Ouais, on va échanger nos places. Histoire que j'ai l'écran. Ouais. Face. Bah, non, c'est à moi. Je vais inverser les micros parce que du coup. Ok, c'est parti. Donc, Isangwen va essayer de me rejoindre. Voilà. Alors, moi, je vais pas lire le chat. On est très très peu du coup. Logique. Alors, moi, du coup, profitez-en pour me poser des questions parce que moi, je vais pouvoir lire le chat tranquillement. Quoi?
Sauf que bon, Isangwen, on voit que par rapport à moi, il est un petit peu rouillé quand même. Mais il va se dérouiller très rapidement. Il va me rejoindre. Alors, c'est quoi du coup à peu près ton estimation pour Ceris, en fait, je connais très très mal. Je sais que Ceris, c'est à peu près le quart, genre. Bon, je rappelle, vous êtes sur le stream de CDV, je me dérouille un petit peu, je suis avec Isangwen. Donc là, j'ai. Pour être plus sérieux. J'ai donc. C'est moi, c'est la première fois que je jouais. Parce que du coup, on va commenter une race bientôt entre Brother et Isangwen. Isangwen était là, du coup, moi je fais le jeu comme toujours pour Speed Game. Donc j'ai. J'étais parti en mode. J'ai je suis arrivé à la fin. J'ai battu le quatrième boss. Sauvegarder juste après, et là du coup Isangwen va me rattraper assez rapidement. Et ensuite on va faire pareil, je vais viser le secteur 4, tuer le boss d'après, puis il me rattrapera. C'est, ça va être le principe là. J'ai fait les premiers secteurs tous d'affilée, c'était surtout pour vraiment apprendre le jeu. Maintenant ça va, je l'ai un petit peu en main, donc ça devrait aller, ça devrait être pas mal. Hein. On pourra le faire, oui, soit secteur par secteur, ouais, soit ça. Tous les deux secteurs, parce que des fois il y a des secteurs qui sont vraiment très très courts, et des secteurs où il n'y a pas de boss aussi. Alors, El Polston, j'ai une question pour toi, CDV. Est-ce que tu lis de la presse JV? Si oui, quoi? Non. Tu lis pas CPC? Je lis aucune presse JV. D'accord. Non pas que je trouve que c'est intéressant, c'est juste que je lis plutôt de la presse complètement dehors du jeu vidéo, moi. J'ai pas beaucoup de temps. Je suis plutôt quelqu'un de l'oral, moi. Je discute avec beaucoup de gens et je lis assez peu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire. Mais, en tout cas, je lis peu. Nous, c'est les journalistes qui passent à la maison pour discuter. C'est vrai. Non, ça arrive de temps en temps, mais non, je lis vraiment très très rarement de presse. Pourtant, on est abonné à Canard PC, on est abonné à 2-3 trucs à la maison. CPC, c'est cool. CPC aussi, j'en ai eu des bons. Lisez CPC. Très bien. J'en ai eu des bons retours, effectivement. Ouais, c'est cool. Mais en fait, sympa comme truc. Je lis quasiment que quand je suis dans le train, moi. Ah. Et je prends rarement le train. D'accord. Rarement le train, parce que maintenant c'est très cher. Faut venir me voir, t'auras beaucoup de lecture. C'est vrai, c'est ça que je pensais, le problème c'est que. Alors, si c'est très cher, si je viendrais volontiers, mais ce serait si, prochaine fois qu'on se invite à un festival, machin, qu'on refuse à chaque fois en même temps. Mais pourquoi pas. Faut lire dans la vie au moins les dialogues de RPG par exemple. Non, c'est long. Ça fait perdre du temps, c'est pas opti. Alors. Petit coucou de Bruxelles, salut. Donc là on récupère les missiles. Ah, c'est le principe, hein. Ça permet de voir en fait un casu, un mec qui découvre le jeu, on laisse ça avec un petit background au niveau technique, au niveau des Metroid que je connais bien, mais bon je connais pas cet opus et moi j'ai pas joué depuis longtemps. Et Zang du coup, qui est un bon joueur, qui est un speedrunner, donc effectivement c'est un petit peu la thématique de la soirée, c'est je débroussaille et ensuite il fait la même chose en mieux. Bon, sauf que lui il va jouer de manière un peu plus risquée que moi évidemment parce que. Je risque de faire des saves à droite et à gauche pour être sûr de passer 2-3 endroits. Mais c'est surtout que tu vas prendre a priori moins de missiles et moins de. Au début j'ai pris autant de missiles que toi. Mais peut-être pas autant d'énergie par contre après. On va voir. Moins c'est sûr. Genre le gros détour que t'as fait pour prendre le pack au secteur 4, j'irai pas le faire. Par contre, les deux missiles, je vais les prendre. Alors, il jouait quoi comme manette? C'est une PS3 Pro. Ouais, PS3. Parce que je supporte pas le D-pad de la manette Xbox 360 et la manette est tellement grosse, elle me file des crampes aussi. Ouais. Alors, Brother. C'est Brother et Randy Zangwen, c'est ce que t'as fait la scène secrète? Non, je l'ai pas faite. Je pourrais la montrer, le truc c'est que. C'est trop difficile. je pourrais la montrer, le truc c'est qu'il faut être beaucoup plus loin dans le jeu. Mais en gros, il y a un séquence break qui est prévu par les développeurs. On est récompensé par un message où les développeurs disent. Je me demande combien de gens verront ce message. D'accord. Oh là là. J'ai pas trop mettre un double. Tenter de mettre un double boss. De toucher deux fois sidebox. Enfin, je perds un peu de temps. Ça va montrer. Je n'ai pas fait plus longtemps, je suis nulle. On ne montrera pas du tout. Mais il est possible de faire en sorte qu'un missile, enfin que deux missiles, touchent encore en même temps. D'accord.
ce qui permet d'économiser 4 secondes, parce qu'il y a en gros 4 secondes d'invulnérabilité sur tous les corps du jeu. Sachant que la vitesse des missiles change durant le jeu. Donc c'est très difficile, enfin, je... avec les missiles, ouais, en fait, pour ça c'est un mini spoiler, mais en gros t'as qu'un type de missile dans le jeu qui va évoluer. Au début t'as des missiles, après t'as des super missiles, et après t'as des super missiles qui gèlent. D'accord. Et la vitesse des missiles est à peu près divisée par deux à chaque fois. Pour faire en sorte qu'un corps soit touché par deux missiles, c'est de plus en plus difficile. D'accord. Au missile, j'arrive à en faire certains, pas tous. Super missile, j'arrive à le faire que sur le boss de la Varia. Et Ice Missile, j'arrive à en faire aucun. Peut-être le tout dernier boss quand j'ai un peu de chance, mais je compte pas là-dessus, quoi. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut plus tirer de missiles normaux? C'est même pas un tir concentré sur un missile? Ils sont juste deux fois plus longs. Enfin, c'est vraiment... Enfin, tu verras... Alors, les super missiles, on peut peut-être les récupérer ce soir, on verra. Est-ce que c'est ton prochain upgrade? Peut-être qu'on verra. Alors normalement dans ma nouvelle route je prends plus pack de missiles. Parce qu'il prend une seconde de plus à aller chercher qu'un autre pack. Mais c'est beaucoup plus safe de faire le secteur 1 avec 25 missiles qu'avec 20. Donc, je préfère le faire avec 25 missiles. Et donc SAX. Aussi t'es poursuivi. Ouais, mais ça va, j'ai pas peur. Je l'ai déjà tué plein de fois. Et ça reste un boss extrêmement dangereux par contre, SX. Je l'affronte vraiment, ça déconne pas. Le boss doit taper à plus de 200 à peu près. D'accord. C'est vraiment un boss très très puissant. Et moi j'arrive, j'ai 400 PV. Voire 500, quand je la fais un peu plus safe. Non, je regarde un peu les gens qui arrivent. Alors, secteur 1. Enfin, le prochain, ça dépend. Le prochain qu'on tourne, ça peut être que c'est le prochain qui est diffusé. Nous, on a toujours une marge de sécurité pour. Parce que si quelqu'un tombe malade, on peut pas diffuser donc. Bon, y a plein de jeux, bah tous les jeux qu'on fait déjà que je fais sur mon stream ou que Rinmur fait sur son stream, on les fait, puis aussi d'autres jeux qu'on montre pas sur nos streams et qu'on va présenter. Et surtout que ça va être intense, tous les prochains épisodes quasiment il y a toujours un hors-série, donc c'est deux épisodes par semaine. Minimum. Salut! Là on wall jump pas, ça perd du temps. On pourra faire des wall jump par endroit, mais ça fait pas trop de temps. C'est parfois plus rapide de faire un saut neutre plutôt que de faire un jump. Tentez de me faire passer, enfin de passer cette salle sans me faire toucher aussi. Ça permet de manipuler les drops vous êtes full vie. Est-ce que ça vient de Ghost in the Shell? De quoi donc? Non, c'est par rapport à un dessin qu'il doit y avoir affiché au mur. J'ai l'impression, je pense que c'est ça la question. Je m'arrive. C'est ça. Alors cette salle, je vais essayer de la passer. Profitez d'ailleurs. Non, j'ai envie. Pourquoi j'ai sauté? Ah, c'est mieux, ça. Ah, bah, s'il te plaît. Mais vous rigolez, mais Cookie Clicker, on comptait le faire dans Speed Game, ça nous faisait marrer. C'était First ou 1 million, c'était un hors série ou un truc comme ça. Ouais, marrant. C'est très drôle. Y'a des Rice Cookie Clicker sur SRL. Ouais, c'est ça que ça me peut marrer. Et, mais effectivement, on a pas mal de jeux là, on a préparé pas mal de jeux assez sympas, que ce soit en race, en live ou en face. Vous savez qu'on fait quasiment plus de live, mais ouais, c'est ce que je préfère faire en façon. C'est plus cool d'avoir des gens qui connaissent. Y'a beaucoup de gens qui aiment moins. Ouais, c'est bizarre. Mais c'est bizarre. On va voir un truc parfait tout de suite. Parfait, non, en fait, t'as aussi parfois le côté. Moi j'aime pas ce côté-là, mais le côté fan au sens strict, c'est-à-dire c'est. Quoi, y'a pas le duo? Y'a pas? Ah oui, d'accord. Ouais, puis moi je trouve que bah, non, le live c'est ce que. Très souvent je n'écoute pas les gens. Parfois les gens ont tort. Et on arrive au poste de la du charge beam.
Mais oui, il y a vraiment des races de cookie clicker. Ouais, il y a pas mal de races. Ouais, les lives, c'est cool. T'essaies de manipuler, c'est ça, avec ça? Non, non, je m'amuse. On perd du temps, donc on fait mieux. Ensuite, là, je vais tenter de mettre en double aussi. Je l'ai pas fait depuis un moment, je crois pas trop. On va voir. Ah, il y a vraiment ça, je suis en DLC, mais du coup, je l'ai raté. Ah, il est peut-être bon celui-là. S'il est meilleur maintenant, c'est que je l'ai réussi. Non, je l'ai raté. Ah, il y a un truc que j'ai pas expliqué aussi, c'est qu'on va essayer de manipuler les boss par contre pour les faire mourir à l'endroit où l'objet est censé apparaître. Pour éviter le déplacement plus le temps où, que l'objet va mettre à clignoter. Et je vais expliquer pourquoi le charge beam s'est craqué maintenant. Maintenant que je l'ai. Alors le charge beam fait plusieurs dégâts. Alors attends, je vais juste faire un petit skip là. Je vais prendre un dégât et je tire à l'intérieur. Ça m'évite de faire le tour. Quand je tire, il y a une espèce de flare qui se forme devant le canon. Il y a un demi-cercle. Quand je relâche mon charge beam, qui fait des dégâts. Et qui fait beaucoup de dégâts. Et ça, on va s'en servir pour tuer certains boss. Par exemple, Ceris, le boss que t'as affronté juste avant. Si tu lui mets deux tirs de charge beam collés, elle meurt. D'accord, parce que c'est l'espèce, du coup, c'est avant que ça tire, c'est le cercle. Je vais la montrer, tu vois, il y a un truc qui fait un demi-cercle. Ouais. Ça fait beaucoup de dégâts. D'accord, ça fait des dégâts en plus. En plus des deux tirs du charge beam qui partent. D'accord. Oui. Et tu me demandais aussi s'il y avait toujours l'attaque quand tu fais ça là. Ouais. Ça y est aussi. Ah, faut juste y aller. Taute sur un ennemi quand t'as ton charge beam, c'est bon. Ah, d'accord, ok, donc je l'ai pas testé, parce que j'avais dit que je le testerais, mais je l'ai pas testé. C'est ça. Et donc je vais répondre à ta question en regardant derrière, parce que. Et non, ça ne vient pas de Ghost in the Shell. C'est un live de Remy Up et Dr. Manfred. Donc on a fini avec le secteur 1. Aller au secteur 2. Mais en fait, non, en plus, c'est super bien comme formule. J'aime bien le côté genre. Le noob qui va jusqu'à. Mais c'est super bien. Pour parler de l'histoire du jeu, parler de plein de trucs, et après, bon, maintenant c'est comme ça qu'il faut faire, et point par point. C'est une formule qu'il faudra refaire. Ouais, avec plaisir. Tu me feras la liste des jeux de tous les jeux que tu fais bien. Final Fantasy 9, Final Fantasy X 2, Persona 4. Tu choisis. Pardon, dans les moins de 10 heures. Ceux qui se terminent en moins de 10 heures, casu. Casu. Moins de 10 heures, casu, donc speedrun. Persona 4, c'est 80 heures, c'est bon. Ça va. C'est cool. J'ai fait DuckTales NES aussi, mais il y a longtemps. Reconnais. Attends, je commence. Quelqu'un reconnaît la photo à gauche du Pepper Board sur le chat à gauche. Ah, mais non, mais ça vient de Metroid Fusion. Ou peut-être Super Metroid. C'est l'univers Metroid, en tout cas, c'est l'univers plante. Le truc que j'ai mis derrière le chat. Parce que ce jeu n'est ni en 16-9 ni en 4 tiers, c'est vraiment ça, je me fais chier à faire des habillages. Le format GBA. Ouais, c'est vraiment la blague quoi, t'as dû te casser le cul à faire un truc sur Photoshop et t'arrives, t'es obligé d'enlever la moitié de ton truc. Mais du coup c'est pas mal, on est quasiment full screen quoi. J'aime bien cette valeur en fait, elle est pas mal. Non, c'est pas mal. Après y'a moyen de dis-toi un peu le truc aussi. D-S-A-X, he wants to kill you. Le SAX que t'as vu tout à l'heure, il y a moyen de le skipper. Je le montrerai pas parce que je sais pas le faire. Mais tu peux le skipper avec du post-buffer et tu sautes par-dessus avec tes powerbombs. D'accord. Il y a moyen de le faire. Par contre, tu prends un tir, tu meurs. Ce tir fait 252 dégâts à peu près. C'est possible. En world record, ils le font. Et ils s'en fichent en fait. Le post-buffer ne fait pas perdre de temps vu qu'on compte le temps in-game time. Et que quand tu poses, bah, tu coupes le timer. Bon, en soit, tu pourrais avancer frame par frame. Bah tu pourrais avoir un temps peut-être meilleur du coup. Alors secteur 2. Justement là la flare ça va me permettre de one-shot tous ces ennemis. Mon but ça va être d'avancer et de leur coller la flare plus les deux tirs du canon pour les one-shot et pour pas m'arrêter. Il est possible de les tuer en leur tirant deux missiles et en continuant à avancer, c'est très difficile. Hein. Ça demande beaucoup là, ça demande beaucoup, un très bon timing. Du coup je ne le ferai pas. C'est très dangereux. Je ne maîtrise pas tout ça. Les PSTV sont sortis en Europe. Hein. Ah Dash Speed, tu t'es pas fait prévenir par Twitch encore? T'arrives toujours en retard, Dash Speed. T'as le pseudo pour arriver en avance. Il faut suivre sur Twitter ou sur Facebook. Ça
ça vous aura pas le mec de retard. JRP, I can do that and you know it. I try to practice it someday, but it looks really difficult. And I really don't know how much time it saved, to be honest. Maybe 10 seconds? Salut. That's pretty much why I say it. I'm a scrub. I'm only a 52 and you got a 47, so yeah. I'm a scrub, and you know it. All about pressing. Ça résume pas mal beaucoup de choses dans le speedrun. It's all about pressing the good buttons at the right position. Thanks for that. I didn't know it. T'as l'équivalent. It's all about timing. Un peu de ça. Là, on va charger un tir, on va le relâcher pour tuer la bestiole. Histoire de gagner du temps. Ah, t'es pas passé avec la même méthode ? Ah non, c'était un peu plus long, mais elle était plus classe. Un petit peu. On est bien. On est bien. Lui il est là donc je vais pouvoir sauter. Faut savoir que les ennemis ont un positionnement aléatoire. Enfin aléatoire. Ils ont 1, 2 ou 3 positionnements différents dans les salles. Ah, j'ai raté. Sauter un peu trop tôt. Là j'ai sauté. Parce que ça me permet d'atterrir directement sur cette plateforme. Là je vais faire un wall jump pour éviter l'ennemi. Une fois qu'on arrive ici, on relâche, on tire, on saute. Pour peut-être se prendre un dégât. Non, j'ai pas fait d'études musicales, j'ai fait des études de philo, la musique c'est sur le tas. C'était parallèlement au lycée, à mes études, que j'ai fait de la musique, que j'ai joué dans des groupes et tout ça. Là je tire en bas. Et la flare maintenant, vu qu'on a un charge beam, on peut one-shot les hider. Donc tu l'avais déjà le charge beam ? Oui, mais avant t'étais obligé de leur mettre 3 missiles. Ouais. Bah maintenant que t'as le charge beam, tu te colles à elle et tu relâches ton charge beam, ça les tue. Ah ok, d'accord. Alors Zazabi, faut savoir qu'on peut pas le bourrer pour le tuer. Chaque partie de son corps a des points de vie. Oh, Zazabi force 6, c'est très cool. Chaque partie de son corps a un nombre de points de vie fixe. C'est soit un tiers de charge beam complet ou bien 2 missiles. Moi je préfère lui mettre les deux parce que des fois le charge beam ne prend pas tout ou ricoche ou ne passe pas. Donc, et vu de toute façon, au niveau missile, on est super bien. Très bon Zazabi pour l'instant. Ouais, à chaque fois tu fais ton charge beam plus missile, c'est ça? Ouais, pour être sûr de le toucher. T'as pas le temps d'en coller un deuxième missile? Ça sert à rien parce qu'il aurait. Parce qu'il d'accord. a tout. Enfin, en fait, enfin même si je lui mettais. Genre missile, ça changerait, il a des. Là, je vais tenter de mettre un double. Là, il passait jaune, je l'ai réussi. Si je le réussis le deuxième, je l'ai raté. Donc, il est bien positionné du coup. Ou du moins un peu plus proche que ce qu'il a déjà. Et on récupère le hideout. Alors, Siku, CDV, y a-t-il une page où on pourra en savoir plus sur l'histoire de Nesblog, création et historique principalement? Bah, si, si, y a. De toute façon, le site va bientôt connaître les prochains mois, une profonde mutation. On est en train de réfléchir, on a déjà même pas mal réfléchi, c'est juste maintenant une question de temps. On va pas mal le développer. On a la boutique dont on parle depuis longtemps en fait, on va se donner quelques mois en fait, on va développer notre. On veut rester indépendant en fait et tout faire en interne, donc tout ce qui est boutique pour les produits dérivés ou pour faire du crowdfunding ou pour faire des trucs à la Tipeee mais sans tiers en fait qui nous ponctionnent tout et avec qui on est nécessairement d'accord politiquement, on va tout faire en interne. On va aussi référencer les activités de chacun avec des onglets justement pour voir les uns et les autres, le NES, qui Twitch, etc. Ce que les gens disent. Oui, en fait, multiplier les onglets, en fait, l'ergonomie, et les modèles pour être un peu plus serein, parce que c'est vrai que nous, on a eu une année pas forcément facile, contrairement à ce que la plupart des gens s'imaginent. Voilà, différents projets aussi, après, des uns des autres, qu'on pourra mettre en avant de ce fait, mais c'est vrai que. Entre janvier et l'été prochain, il y a des nouvelles choses qui devraient arriver en tout cas sur Nesblog. Yeah, I know it's faster, but I missed the door. But thank you. Et là, j'arrive au secteur 4. D'accord. J'étais presque rattrapé.
Putain, j'ai même pas eu le temps de m'étirer. Là. Je vais bientôt reprendre la manette là, putain. Ouais, bah oui. Hein. Ça rigole pas. Donc pour ceux qui arrivent, effectivement, c'est le thème de la soirée, c'est je joue en casu, du coup, moi c'est la première fois que je joue au jeu, j'ai que mon passif des anciens Metroid. Enfin, certains sont sortis... Toi, t'as un gros passif, quoi. T'as un gros passif, mais voilà, je connais pas le jeu, donc voilà. Donc quoi qu'il en soit, je joue en casu pour la première fois, j'arrive à un certain point, ensuite, Yzang me rattrape, rapidement, avec des strats... Strats de speedrunner. Alors... On va voir comment va se passer Ceris. Je peux pas vraiment mourir sur Ceris, mais je peux perdre beaucoup de temps par contre. Si elle décide de faire n'importe quoi dans ses patterns, ou si je la rate. Parce que lui coller les deux, enfin le charging très proche, c'est pas facile. Je suis obligé d'anticiper certains mouvements. Et c'est pas juste la flare qu'il faut lui mettre, c'est aussi les deux tirs qui sortent du charge beam. Et des fois ça passe pas. Le premier tir il est fixe parce qu'elle fait tout le temps le même pattern au début. Donc celui-là, on est sûr de lui faire changer de couleur. Si après cette phase elle a viré au noir parce qu'elle devient de plus en plus foncée, ça veut dire qu'on a réussi à lui mettre le charge beam comme il fallait. Si elle est toujours verte, c'est qu'on s'est raté. Et on essaiera de faire du backup strat. Donc secteur 4 il est pas très difficile quand on connaît la route. Du coup là tu vas pas faire un petit détour pour prendre de l'énergie? Je fais 0 détour. Je vais à Ceris tout de suite. Le boss est pas dangereux. Vraiment. Là, y a un TAS. My theory TAS, it's 42-51. Oh, nice! J'ai vu, c'est un runner ou c'est lui qui a fait le TAS? C'est un runner qui a une minute du world record et qui m'a filé plein de tips pour m'aider à progresser sur le jeu. Il me pousse en fait à faire des temps qui vaut que je peux faire mieux. Et le TAS ennemi, il est à combien de temps? Je sais pas du tout. Faut lui demander le pion. Là, je l'ai plus en tête. Là, j'ai pas. Forcément, je suis encore en préparation donc j'ai pas tous les temps en tête. Quelqu'un pourrait mettre. Je vais chercher sur TAS vidéo et le mettre ici. C'était juste le temps. TAS, le Metroid Fusion, mais Any%. Mettre le temps du Any%, du 100% et du 0. Normalement, il y a le 0. Évidemment, c'était les photos de Nico et Karim. On vous aurait pas menti. On n'aurait jamais fait ça. Bah, déjà, c'est pas mal si on a réussi à dynamiser un petit peu le défi du challenge parce que c'est. Le nouveau format, lui. Ah ouais, c'était ça. Alors, Ceris. Putain, t'es déjà là, comment? Putain, c'est moi qui bosse le plus, là. Donc on va l'attendre. Ah bon, j'ai touché. Le safe spot, il est là. Il y a deux patterns qu'on peut esquiver, celui-là et l'autre, quand elle le fait dans l'autre sens. D'accord. Sinon, c'est safe. Et ensuite, moi, je me mets en général comme ça. Et j'attends. Comment tu le mènes? Il va arriver, là. Peut-être. C'est mon spot à moi. Il y a des gens qui ont d'autres strats. Mais là, ça a marché. Donc elle est morte. En dessous. Très bon service. Je vais tenter de lui faire. Ah, j'ai raté. J'aurais pu lui faire un double. J'en ai réussi un là. Ah, le truc c'est de changer de direction quand on est en l'air. C'est ouais, ça là, voilà. 100% c'est 1h35 en TAS. Ah ça va, c'est solide. Alors je vais essayer de faire mon chain spark comme tout à l'heure. Le 0% c'est 1h13. Et le Eni c'est 32 minutes. Voilà, tu vois, c'est ça en fait. Là. Attends, c'est du IN? Non, c'est pas du IN. Non, c'est du RTA là. C'est du RTA par contre. Et toi t'as save ici, c'est ça? Ouais. Ok. Voilà. Et 100% 1h par contre. Ah, attends. On va juste faire une petite comparaison du coup. On va comparer les deux in-game time. Voilà. Tiens. Ah mais ça va, je suis pas trop un sac. Non, ça va. 1h34. Ça va. Alors je vais remettre les micros. Ok, on va remettre ça. Je remets ce que... Je parle plus fort qu'ils envoient. Je parle plus fort qu'ils envoient, donc du coup je règle à chaque fois les volumes de micro. Oh, JRP told us the time apparently are wrong. Maybe they improved the TAS. Ouais. Et en plus, c'est des RTA en TAS. Ouais. C'est du real time.
24 39 RTA. Non, il regarde mon... C'est Bro qui parle de mon temps. Ah d'accord, ok. Parce qu'il m'a chronométré. Ah ok, d'accord. We are talking about Tula City Speedrun, JRP. If you got the right times with the video link, if they are not good on Ty's video, if you can send an MP to this account. Yeah, I know Biospark is working on a new 0% task, but we have to do a show about Metroid Fusion this weekend, so I'm sure he will not be ready at that time. But ah mais merde, putain, ça commence trop mal. Ah non, par contre c'est bon, j'ai... Ah c'est vrai qu'ici j'ai ça. Ah oui, il faut d'abord que je vide la pompe. Faut que je vide d'abord tout ça. Faut que je vide tout ça. Ok. Mais putain, saleté. J'adore le contraste. Tu vois le mec qui est là. Oh, j'ai du mal à m'accrocher. Alors voilà. Tu sais où est la pompe maintenant? Ouais, elle est tout à gauche. Mais ce format-là, c'est pas mal, parce que même si on prépare des trucs, je trouve le format intéressant, parce que ça pourrait être rigolo, par exemple, d'insister sur l'histoire et le gameplay de base. Ah oui, c'était entre machin. Cool. T'as vu, et puis après, t'es comme ça. Now, real show start now. Alors, ok. Ok. Bah, si vous aimez ce format, en tout cas, je serai repartant. Je referai ça avec Isang ou avec d'autres. Ils sont très longs, mes jeux, après. Ouais, ou d'autres jeux. Je sais pas s'il y a d'autres runners français, c'est un... C'est un format que je trouve assez sympa. Donc... Super Metroid, ça pourrait être putain, drôle. Putain, mais c'est pas vrai. Mais non. Te voir sur Super Metroid maintenant et avoir Bro qui joue après. C'est pas vrai, quoi. L'ancien champion de France contre le nouveau, du coup. Ouais, voilà. Je crois que je vais en mettre 3 jours. C'est... Ah non, justement. Voilà. Ok, voilà la pompe. Bon, bah si ça vous plaît comme format... Oui, d'ailleurs, j'ai juste coupé la musique 2 secondes, parce que je voulais juste... C'était ça. Ah, ça l'a pas coupé. Non, ça l'a pas coupé. D'accord, mais si t'es un peu meilleur. Bon bah si vous aimez ce format, c'est cool, en ce cas c'est rigolo à faire. Eh bah c'est nickel. Faut courir tout droit. Ouais, bah c'est ça, allez hop. Ça te va. Ok. Bonus crane. Bah donc t'as vidé toute l'eau du secteur 4. Ah bah c'est cool ça. Soudain un missile. Ça fait l'émission de 10 heures. Ça. Parce qu'après quand on a fini nos courses, en fait on commente le TAS. C'est faisable, ça fait la grosse journée, après on est prêt à faire de 10h de FF, on peut bien faire 10h de Metroid. Oh, ouais. C'est très rigolo comme... Ok, ouais, je trouve ça cool. Hein. Eh go, sérieux. Ah non, c'est vrai que j'ai ça aussi. Eh oui. Par contre, j'ai l'impression... Oh non. Pas touché. Ah par contre, j'ai l'impression qu'il y a un truc caché là-bas. Je crois pas. Bah il y a un petit point. Bah oui, ça veut dire que t'as pris l'objet. Le point, c'est que tu l'as ramassé. Le rond, c'est qu'il y a encore. D'accord, ok. Sur le code de la carte. Ok, pas de soucis, parce qu'à un moment, j'avais oui, c'était... Ils l'ont compté comme un objet, bon, admettons. Yeah, because this is the task code. That's why. Because you still have to do some inputs. And the task time is first input, last input. Ah yes, donc il y a 5 minutes d'intro et 2 minutes de fin sur les 1h13. But yeah, I'm really curious about Biospark. Tula City Speedrun is a beast at this game, so I'm sure it would be very impressive. Ah oh, putain. Alors, ça c'est quoi? C'est une porte rouge. Je les ai pas vus encore, ça doit être des vilaines portes d'un seul. Ok, admettons. Donc je peux pas. C'est peut-être des super missiles. Non, les super missiles c'est vert, donc c'est... Ça pourrait être le plasma. Y'a le plasma. Oh, c'est le plasma alors. Le plasma en général on l'a très très tard. C'est vrai, on l'a assez tard. Le plasma dans le jeu est complètement craqué.
C'est un truc de fou. Ouais, mais c'est affreux. Oublie pas que t'as vidé l'eau. Bah, c'est ça. Oui, le tas c'est Power Under, je dis n'importe quoi. J'ai pas pu aller là-bas. Bah oui, j'ai vidé l'eau, c'est surtout pour la. C'est vrai que First Input ça peut porter à confusion. Ah, faut que je fasse vraiment gaffe. Ah non, mais il a pas pu me toucher ce machin, sérieux. Oh putain. Oh, 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 oh putain, j'ai cru que j'allais crever. Ok, nice. Les gouttes, elles font mal, c'est là ou c'est pour l'ambiance? Non, non, c'est pour l'ambiance. Ça me rappelait les gouttes d'acide dans quel jeu ça? Castlevania 4. Ouais, par exemple. Ce sont des gouttes de sang censurées en fait. Oh, mais de toute façon, il y a plein de jeux. Putain, mais quel blaireau, putain! Je me suis arrêté pile sur l'ennemi alors je suis censé l'éclater quoi. Ah par contre c'est vraiment sympa, c'est que... Ah mais du coup maintenant je peux passer. Ah oui, parce que là j'imagine d'ailleurs un petit truc peut-être. Ah non. Voilà, je peux sortir. T'es retourné au tout début. Ah c'est fou, il y a les passages secrets. T'as 8 PV, hein. Non! Ah, est-ce que tu vas être greedy et le regretter? Ah, fuck! J'aimerais bien. Dommage. Oh non! Je l'avais trouvé! Fuck. Fais gaffe quand tu sors. Je te dis juste, fais gaffe quand tu sors. Oh, que tu meurs. Oh non! Putain, je voulais choper là. Putain, il est allé directement sur le mob. C'est normal. C'est une fois que ce mob meurt, il se transforme directement en mob doré. C'est, il est là à chaque fois. Putain, c'est dégueulasse, quoi. Je connais la route maintenant. Ouais, ça va beaucoup plus vite, mais... Putain, c'est dégueulasse, quoi. Oh, ce pose buffer pour éviter l'ennemi, bravo. Ah non. Je suis vert, putain, je suis quasiment pas mort du jeu, et là je meurs comme une merde, quoi. Ah, c'est pas vrai, quoi. Bah non, j'avais pris que ça, j'avais mis le... en tout et pour tout. T'as vidé le haut, t'as récupéré un tanker de missiles après, et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout, ouais. T'avais pas grand chose à faire. Ah, j'avais ramassé un tanker de missiles, ok. Oui, juste après avoir vidé l'eau, mais il est sur la route, donc... à ta première partie, tu l'as forcément. Dans ta son, prends pas en une technique. Dans ta son, speedrun pas. Ouais, je suis un peu écœuré d'avoir trouvé un truc secret qui m'a tué, quoi. C'est vraiment con. Putain, mais quel blaireau! Je suis trop impatient, quoi, c'est le con! Vite, go to go fast! C'est pas vrai. Des trucs j'avais raté d'ailleurs. Ah putain, je peux pas. Allez, essaie de pas mourir. Voilà, c'est dur de remourir. Hein. Tu disais c'est dur de remourir.
Ça, je me rappelle plus. Non, il y avait rien en bas, c'est ça, c'était une porte rouge. Hein. Je crois qu'il y a une porte rouge. Ouais, c'était une porte rouge, hein, que je refasse pas la bêtise. C'était une porte rouge a priori. Hein. Ouais, il me semble. Vu la zone, ça m'étonnerait pas. C'est une zone late game qui est en bas. Pourquoi tu peux traverser. Excusez-moi. Tu peux traverser toute la zone juste avec le speed boost. Juste en courant. Ah oui, t'avais pris ce missile sinon. En fait, t'en avais pris un deuxième. Ouais, mais c'était pour en fait ne pas avoir à recourir. Oh oui, mais j'avais. Il va peut-être repopper de l'autre côté, je pense. Je pense qu'il aura respawn et qu'il faudra que tu recours. Ah bah non, pas les trucs comme ça, il repop. Ah si, si. Quoi? Ah, ils repopent les trucs là, je pensais que c'était ouais. Des verrous et c'était du genre, c'était over. Quoi. Dans SM aussi, il me semble. Ouais, ouais, non, mais t'as raison. Putain, fuck. Fais gaffe, tu vas courir et casser le mur de l'autre côté. J'imagine qu'en TAS, il y a moyen de déclencher la super vitesse ultra vite. Ouais, il y a d'autres méthodes pour la conserver aussi. Saleté! J'ai eu peur parce que j'ai jamais vu ce map, donc j'ai dit putain, je shoot plein de missiles. Bon, c'est un mini boss! Il a 10 000 points de vie! Ah bon, Kraken? En fait, j'ai accepté plein d'interviews, putain, j'en fais deux par semaine en ce moment. Donc, Kraken, tu m'as fait une invitation. Mais alors, le truc, c'est que si tu me fais une invitation sur Skype et que tu te présentes pas, je t'accepte pas. Parce qu'en fait, j'ai 20 ou 30, enfin, ou 50 demandes en attente. Si c'est juste marqué bonjour, je veux vous accepter sur Skype, j'accepte pas. Hein. Et je peux pas retenir tous les pseudos, faut juste dire une petite ligne, genre c'est pour une interview, et là j'accepte direct. C'est juste que. Je... Ah, j'étais pas passé par là, c'est un canon, voilà. Mais volontiers sinon. Maintenant que tu me le dis, je m'en rappelle. Ah, ça va tenter des choses. J'aime bien quand ça tente des choses. Bah. Putain, mais les bombes ça devrait le toucher là. Ah putain, c'est dégueu. Pourquoi je veux dire qu'il y a des ennemis qui sont insensibles aux bombes dans ce jeu? C'est dégueulasse. C'est clairement dégueulasse. Ah, je sais pas. Faut que tu sortes là. Ah bon, tu t'étais présenté donc j'ai rien dit. Oh non, putain, là le swap color qui veut dire que c'est plus solide quoi. Ouais, mais au moins tu sais, tu vois. Tu sais qu'il faudra le casser avec des missiles, juste que t'as pas les bons. Le swap color, c'est pas toujours une mauvaise chose. Ah non, mais c'est super en termes de gameplay. T'identifies tout de suite, t'associes un gameplay à lui. Moi, je suis fan du swap color. Quand c'est pas fait pour des mauvaises raisons. Et même quand c'est fait pour des mauvaises raisons, des fois, c'est une question de place aussi. Donc, c'est vrai. C'est aussi des bonnes raisons. Voilà, c'est ce que tu vas faire dans cette zone. Ah, c'est vrai qu'il y a un tanker de missiles à prendre. On dirait des ennemis assez balèzes. Ils ont l'air assez forts. Assez fort. Ils sortent des Sonic Boom, déjà. Saleté. Il y a juste un tanker de missile. Ouais, c'est une zone assez balèze du jeu. Ah non, mais... Normalement, quand t'arrives ici pour la première fois, t'as déjà la gravity suit, en fait. Ah mais en fait, c'est parce qu'il y avait une sauvegarde que j'y allais. D'accord. Ah mais... Ouais, bah non, let's go, quoi. Non, là, la suite du jeu, c'est... secteur 3. Du coup. Et j'y retournerai ici. Ok. Ouais, t'y retourneras beaucoup. Ouais, ça, j'ai pas envie de recrever... Alors c'est pas là non plus, je peux pas passer. Non, non, faut que tu sortes. Tu sors du secteur 4. Ok. L'eau sans costume de gravité, pas bonne idée. Ah ouais. Kraken, ok d'accord, bah je regarderai ça. T'es sûr que tu t'as ajouté le bon Skype? Non. Je coupe le jeu 2 secondes, je t'accepte maintenant, comme ça, ça sera fait. C'est quoi ton pseudo? Cette quantité de gens qui veulent ajouter CDV. Ouais, bah j'en ai viré plein, mais il y en a un peu, c'est assez suspect. Bah non, il n'y a pas de Kraken. Non, je vois pas, tu ne t'es pas présenté. Ou alors c'est pas le bon que t'as rajouté. Hein. Parce que je ne te vois pas. Thank you.
Ah bah en plus oui, j'aurais pas pu me tromper quoi. C'est XX Kraken, hein, a priori. Peut-être dans les gâteaux. Dernier, je rappelle. S'il en reste deux, on en prend un chacun. Il en reste deux. Tu auras ton gâteau si tu triomphes. D'accord, ok. À la pause. À la pause. Tout à fait. Ouais, objectif clear, ouais, carrément. Moi c'était quand je streamais Resident, en fait il y avait des petits... Ça craquait, ça faisait comme les zombies, c'était... C'était plutôt sympa. Ah non. Alors je vais secteur 3. Yop. Moi c'est ça. Disque contraint que CDV va aller dans les zones chaudes. C'est rigolo, ça c'est un new gameplay sain, rouge, feu, chaud. Si tu t'amuses à faire autre chose dans un jeu, c'est pas sympa pour le joueur. Comment perturber les gens? Alors le feu c'est un niveau vert. Je stream assez régulièrement, presque tous les jours en fait, quand je suis chez moi. Carrément, t'es un des mecs qui stream le plus, moi je te vois quasiment. Quand je regarde les mecs qui sont co... Ouais, je fais stream assez long en général. Je fais un peu de tout, je fais pas que du speedrun après. Je fais de la découverte de jeux plus ou moins récents, des gens J'ai un créneau sur Gaming Live aussi. On parle speedrun en général. Même si vous êtes débutant, bah venez, c'est plutôt d'ailleurs des émissions qui s'adressent aux gens qui connaissent pas trop. Bon, moi je suis fan des parties de pétanque. Ah oui, ce que je vais faire la semaine. Alors, cette semaine, je sais pas si y a un moment, mais j'aimerais bien faire mon deuxième volet du poker. Imaginons que ce sera que la semaine prochaine ou dans deux semaines, j'aurai pas le temps de le refaire avant. Ça me paraît un peu compliqué. Et par contre, je comptais faire de la belote coinchée. Il y a Killai qui est un gros joueur de belote coinchée aussi. Et ça va être rigolo. Il y a toujours la race que je dois faire aussi contre Nico à Meat Boy. Des races de sac, en fait, je fais des races avec... Il faut un enjeu, par contre. Hein. Nous, on a des enjeux quand les gens perdent. Hein. Ah bon ? Okay. En fait, nos enjeux... Enfin, il y a pas mal de gens qui ont fait ça, mais le perdant joue un jeu nul avec de la musique nulle pendant un certain temps. Ah non, ça, c'est impossible. Moi, je pourrais jamais faire ça. Par principe, c'est une question... J'ai même pas le droit de faire ça sur mon stream. J'ai un cahier des chartes. Ouais. Très précis. Ah, même oui. Moi, je peux pas y déroger. Hein. Zone 4 solo, c'est possible sans la gravity suit. Le truc c'est que tu peux pas skipper la gravity suit. Je pense pas que ce soit possible. Danse de l'humiliation level 2. Oh, bonjour. T'entends pas comme un bruit bizarre? Si, je perds d'énergie mais je pense que je peux aller au bout quand même. D'accord. Et je viens de sauvegarder. C'était bien vu. C'était courageux. Attends, c'est mortel parce qu'il y a un truc, il y a l'air d'avoir un truc en bas, mais ça se trouve, je peux pas vraiment. Il y a un petit missile après un truc aussi risqué. Ça aurait été gonflé. Non, c'est bien. Bon, t'as compris du coup. Ah ah. Ok, parfait. Ah, c'est un objet, si tu sais pas faire de Shine Spark, tu peux pas le prendre par exemple. Oh putain, mais d'accord, c'est faux. Ouais, faut te baisser. Ouais, dernier moment, ok. Oh, pas forcément au dernier, hein. Tu peux la conserver un petit moment. Mais non, mais sérieux?
Qu'est-ce qui se passe là? Normalement, il y a pas de soucis, c'est simple ça. On peut ban les gens qui parlent de Parodius ou d'Earthworm Jim, s'il vous plaît. Je vous donne un cookie, deux même. Et la casquette de Rilmia. Ah putain, je suis un peu. Ouais, c'est sûr. Mais bordel, c'est dingue, normalement ça fait pas ça. Je suis sûr, c'est ultra easy à faire quoi. C'est pas normal que ça marche pas quoi. C'est juste bas. Hein. Bah là, c'est juste bas, mais j'ai l'impression que c'est un tout petit peu. Mais je fais juste bas. Trop tard, je pense. Je pense que tu le fais trop tard. Je peux le faire avant que ça clignote un peu? Ouais, genre là c'est bon. Enfin, pas avant que ça clignote, mais. Bah, shine spot que. Et après, faut faire des wall jump. Peut-être pas. Je pense pas qu'avec des wall jump tu l'aies. Une blague, sérieux? Saleté. J'y suis presque. Sérieux, j'ai pas. Oh non, il faut pas le space jump alors que je viens d'arriver jusqu'ici quand même. What if? Yes. Il le faut. Ah, c'est dégueulasse, j'ai fait tous ces efforts pour arriver là, il devrait me récompenser, genre il faut revenir beaucoup plus tard. T'as eu un missile. Ouais, j'ai rien à foutre, c'est nul les missiles. Il en faut plus pour calmer mon appétit. Ah non, je vois pas à part réussir un truc miraculeux, genre. En wall jump, tu l'auras pas. Je peux essayer si tu veux. je crois pas que ce soit possible. Vu l'angle, ça a l'air tellement fermé que ça n'a pas l'air possible. Ouais. Et merde. Non, bah, elle est bombe. Bombe. C'est quoi le timing d'ailleurs à peu près? Moi tu fais pas de bombe jump en speedrun, donc je l'ai pas appris. I'm not playing anymore, JRP. Ah putain! Mais elles font décoller que dalle ces bombes! Enfin, c'est pas le bombe jump de Zero Mission. Ah la vache, putain. Je peux pas faire un truc en diagonale, genre. Tu peux faire un chainspark en diagonale. Ah, mais il faudrait presque que je réussisse. Ouais, bon, bah, ok. J'ai plus envie d'essayer un truc. Je sais pas si ça marche. Ça serait faire. Ça serait monter, sauter comme ça plusieurs fois, arriver comme ça, le faire en diagonale là-haut. Et le déclencher tout droit, donc ça marche. Tu veux que j'essaye? J'essaie une fois, après je te laisse. J'ai essayé. Mais dans le concept, ce serait rigolo. C'est sûrement ça. Ce serait vraiment arriver ici et puis faire pac pac. Oh, pas besoin. Et en diagonale. Je suis pas sûr que t'aies besoin de faire une diagonale. Lui. Ouais, bah non, mais dans ce cas-là, si je fais même pas diagonale, je peux le faire en fait. C'est pas comme ça que c'est censé être pris, je pense. Je pense que c'est comme ça. Je pense que ça peut être pris comme ça et avec le space jump. Ah, je peux y arriver du coup, pour mériter mon carreau de vie, j'ai rien dit. Te laisse faire. Si je peux le prendre comme ça, c'est que je l'ai bien fait. Et pas le contraire. Quelle arrogance. Si tu peux pas, c'est peut-être la mauvaise foi, sinon. Non. I'm just saying. Putain, mais c'est pas vrai. Ah ouais, ça serait trop beau de réussir à prendre ça comme ça, je serais content. Mais putain, c'est... Quelqu'un peut me faire un café? Bon, on va se faire une pause café si tu veux, je peux te faire un café si tu veux tout à l'heure. Non, je plaisante. En fait, là, tout droit, ça suffisait. Ouais, mais je me suis planté. Mais en vrai, mais dans l'idée, c'est ça. Allez, je peux y arriver. Ah, je suis content si j'ai trouvé un truc. Non, de Dieu, non, de Dieu. Ah, putain! Mais ouais, c'est ça. Faut juste pas sauter deux fois. Et c'est pour ça qu'il faut sauter deux fois pour faire la manip. Maintenant, c'est que ça te permet un petit peu de souplesse, justement. A priori, il y a des gens qui disent qu'on peut l'avoir sans le chainspark.
Mais putain, je fais juste un saut, je fais rien du tout là, putain. Faut pas faire un saut vide, hein, sinon je considère que tu. D'accord. Que tu veux déclencher le Chainsword. Ok. Oh putain. Ta gueule, mais t'accroche pas. Tout ça pour avoir un carreau de vie. Alors que quand j'aurai le Space Jump, ce sera trop facile. C'est ça. Tout ça pour l'avoir un peu avant. J'ai jamais vu cette salle. Ah putain! Ah ouais, c'est ça, il faut que je fasse un saut comme ça. Bon, putain, la vache. Quoi, t'es speedrunner et tu savais pas quoi? Pour le 100%, et oui, vous n'êtes pas obligé d'avoir le truc comme vous avez. Le 100%, je connais pas. Pas que de 100%. Ah putain, j'ai failli le faire du premier coup, tu veux essayer? Mais putain, la vache, j'ai failli réussir du premier coup, et après je galère trop. Non, j'ai la... Voilà. Faut juste insister. Vous voulez que je vous remontre? C'est CDD qui l'a fait, pas moi. C'est parfait.